Ok, so hi students, et la dernière fois pour AdMaths, si je ne me trompe pas, nous avons découvert exemple 6 et sur trigonométrie. Alors, c'était ben l'exemple ou ben angle qui comme quoi qui est plus que 360 degrés. Maintenant, comme prochain subtitle, alors voilà, beaucoup déjà fini d'uploader ben notre salaire de groupe. The next subtitle is trigonometrical ratios of negative angles. Let us have a look at it for this one. L'indiano comme ça que an anti-clockwise turn from the 0 degree line denotes a positive angle, while a clockwise turn, alors voilà, a negative angle are shown below. Let us have a look at it. Alors, rappelez bien tout le temps vous autres. Alors, ça, c'est nous 0 degré. Ça, c'est nous 0 degré par ici. Alors, whenever you make an anti-clockwise turn, vous êtes tout d'accord que ça, c'est anti-clockwise. Alors, whenever you make an anti-clockwise turn, allez, disons, on fait un anti-clockwise turn, on arrête jusqu'à ici. Alors, whenever you make an anti-clockwise turn, whenever you make an anti-clockwise turn, alors, we call it as a positive turn. Ça veut dire si toutefois, mon tourne 30 degrés, alors, je vous dire que voilà, c'est positif 30 degrés. Maintenant, si toutefois nous fait un clockwise turn, let us have a look at it. Si toutefois nous fait un clockwise turn, allez, disons nous fait un clockwise turn par ici. Allez, si nous fait un clockwise turn par ici, rappelle bien un clockwise turn tout le temps. Alors, it always denotes a negative turn. So, whenever the turn is clockwise, it is always denoting, alors voilà, a negative turn. So basically, si toutefois, mon vie est 30 degrés par ici, alors si vous représentez par négatif 30 degrés. So basically, for this one, alors a clockwise turn is always a negative turn, and an anti-clockwise turn is always a positive turn over here. Let us have a look at this one, and how do we obtain formula, alors for negative angles. Guette bien, fais comment dire. Let us say, nous dire comme ça que nous avons une personne qui est ici. Voilà, we have a person who is over here. Et me dire comme ça, faire positif 30 degrés pour moi. Voilà, les gars, tout ça là, il n'y a rien de la même. Parce que 30 degrés, c'est jusqu'à ici là. Hein? C'est rien plus que ça. Maintenant, me dire une autre personne, me dire comme ça, faire 330 degrés. Me dire comme ça, fait 330 degrés. Alors, contre réveil et dans direction réveil pour moi. Allez, have a look at this. Je suis tout d'accord que ça c'est clockwise. Guette bien, tous les deux ils démarrent même place. Personne numéro 1, l'in prend là, l'in vient là. L'in fait positif 30 degrés. Guette destination côté. Personne numéro 2, l'in toujours prend même place que personne numéro 1 a commencé. Et il finit toujours même place que personne numéro 1 quand il termine. Mais simplement que le fait qu'il ait fait un clockwise turn, tandis que personne numéro 1, s'il fait un anti-clockwise turn, ça veut dire pour personne numéro 1, alors s'il vient positif 30 degrés, allez dire moi de même comment rester là. Tout compléter ce col, numéro 330 degrés. Je suis tout d'accord, tout compléter ce col, numéro 330 degrés, ça veut dire, et le fait qu'il comme quoi. Le fait qui comme quoi, alors it is a clockwise turn is a negative turn, ça veut dire en d'autres mots que c'est négatif 330 degrés. Mais le fait qui comme quoi, prend la bobine là, anti-clockwise, c'est positif 30 degrés. Et la même chose, prend la bobine là, même place, mais in a clockwise manner, il arrive nous à négatif 330 degrés. Mais cela veut dire que, please have a look, voilà tête. Mais cela veut dire que 30 degrés clockwise, l'ivo, ça veut dire que, en d'autres mots, 30 degrés, désolé, pas clockwise, nous commençons par rouge là en avant. Alors cela veut dire que négatif 330 degrés. Dans une direction réveil, voilà, négatif 330 degrés. Comment de toute façon, angle là négatif veut dire que le clockwise. Alors, so it implies que négatif 330 degrés clockwise. Alors, l'IPV
Les pivots positifs 30 degrés, mais anti-clockwise. Vous êtes tout d'accord avec cette partie-là? Cela veut dire que négatif 30 degrés, alors dans une direction réveil, alors les pivots 30 degrés sur positif, dans une direction contre-réveil. Ça veut dire que négatif 330 degrés clockwise, alors si bien positif 30 degrés anti-clockwise. Vous pouvez bien saisir les par ici là. Now let us have a look at it. Bon, prends maintenant, alors quand vous avez la prochaine page, alors let us have a look at it. Alors, les dis-nous comme ça. Alors, les dis-nous comme ça. Alors, for example, alors, signe de négatif 30 degrés. Let us have a look at it. Rappelle bien tout le temps, pour être capable de gagner une valeur clockwise en termes de anti-clockwise, vous n'avez qu'à pour faire 360 pour retirer la valeur là. Par exemple, regarde comment dans cet exemple qui m'a donné là. Dans cet exemple qui m'a donné, prochaine page là, je vais dire zut comme ça, sine de négatif 30 degrés. Allez, sine de négatif 30 degrés. Ça veut dire sine de 30 degrés dans une direction clockwise, parce que négatif veut dire clockwise. Ça veut dire que sine de 30 degrés dans une manière clockwise, alors c'est pour vos sine de plus 330 degrés. Est-ce que je peux bien saisir? Si je dis à zut comme ça, cos de négatif 50 degrés. Qui est pour vous? Li pour vous cos à l'os de 360 retiré 50. Allez, 360 retiré 50, c'est combien? C'est 310. Alors, si pour vos cos de positif 310 degrés. Vous avez bien saisi là. So, this is how you're going to work out. C'est comme ça que vous pouvez faire. Alors, vous travaillez tout le temps en termes de zone van negative angles. Alors, tout le temps quand vous avez une negative angles, alors, this is what should work it out to. Ou soit plus simplement, vous n'avez qu'à vous servir une formule qui nous donne en rouge au bas. Une formule qui nous donne en rouge au bas, c'est que sine of negative alpha, niveau négatif sine alpha. Vous avez bien besoin de mémoriser ça, bonne partie là, parce que quand vous pouvez exposer à une negative angles, vous pouvez coincer sinon. Pareillement, cos of négatif alpha, rappelle bien cos quand il est négatif, alors si vous voulez la même chose de cos of that positive. Ça veut dire cos. En d'autres mots, si vous dites autre cos de moins 30 degrés, les pouvez cos de positif 30 degrés. Et tan de négatif alpha, alors si vous négatif tan of alpha. Let us have a look at example 7 over here. Allez, nous mettons exemple 7 un petit coup de part ici pour ceux qui sont toujours perdus aussi. Alors, ne vous inquiétez pas, comme d'habitude, voilà. Alors, et I'm going to make it really clear to all of you. Allez, get comme partie A. We want to have this express. Express each of the following. In terms of the same trigonometrical function of an acute angle. Let us have a look at it. Get bien in there. Nous, bien, faire un acute angle, hein? Ça veut dire, en d'autres mots, nous, bien, qu'on tout bas partie qui m'a expliqué dans ma previous vidéo, là. Vous êtes capable de faire ça par là. Hein? Let us have a look at it. Allez. Premièrement, il peut dire moi sine de négatif 165 degrés. Allez, sine de négatif 165 degrés. As you can observe over here, it is sine of a negative angle. And how do you proceed? Whenever it's sine of a negative angle, alors qui formule vous connaissez? From sine of negative alpha. What is formula for sine of a negative angle? It becomes negative sine of the same positive angle. Ça veut dire sine de négatif alpha, les pouvoir négatif sine of alpha. Cela veut dire que sine de négatif 165 degrés, les pouvoir négatif sine de 165 degrés. Voilà, c'est tout. Maintenant, regarde bien, est-ce que ça, c'est un obtuse angle? Oui, l'indienne comme ça, nous bien fait l'évidence d'un acute, pas oublier. Là, on finit sa vie, ma formule, of negative angle, très bien. Next step, are the steps that you use, alors voilà, dans ma séance qui nous fait auparavant. Qui se dit d'apprendre dans la séance auparavant? First of all, dis-moi donc, qui quadrant ça? Ça, il peut trouver dans deuxième, ça, il peut trouver dans deuxième quadrant. Et qui va une formule, on apprend dans deuxième quadrant. Dans deuxième quadrant, on apprend comme formule
Alors voilà, that's sign of. Dans le deuxième quadrant, qu'il faut mieux en apprendre. Je dis apprendre que sign premièrement est dispositif et que sign of alpha. Alors ce qu'il vaut, il vaut sign de 180 degrés retiré alpha. Get bien. Si je ne pas rappeler sa bande partida, je vous conseille d'être dans ce topic là. C'est très essentiel que je connaisse sa bande partida bien. Without this over here, you will not be able to work them out. Alors, get bien là. Ça, c'est quoi ça? Pour ceux qui oublient, moi toujours faire un recap par ici. Ça, c'est une formule code comme quoi nous faire tout man angle qui pas acute, bien acute dans une bande quadrant respective. Get comment ça? Là, nous peut cause sine de 165 degrés, oublier négatif là. Nous peut cause sine 165 degrés. Sine de 165 degrés, le fait qu'il y trouve dans deuxième quadrant et dans deuxième quadrant, qu'ils ont dit apprendre. Dans deuxième quadrant, on apprend que sine il tombe positif. And what is the associated acute angle? Alpha becomes 180 degrees minus alpha. So therefore, alors sine de 165 degrés qui vous venez. Dans deuxième quadrant, il vous venez sine de 180 degrés retiré 165 degrés. Alors cela vous donne combien? Alors cela vous donne sine de? Cela vous donne sine de 15 degrés. Est-ce que nous finissons bien en termes acute? Oui. Mais dis-moi comme ça que vous besoin finir bien en termes. Same trigonometrical function. Is it in terms of the same trigonometrical function? Oui. La question commence avec sine. Mon réponse est toujours en termes sine. Lindemann fait bien en termes acute angle. Is it in terms of acute angle? Yes, it is in terms of acute angle. Ça veut dire tout ça qui est bien. Moi, vous avez bien répondu là. Mais maintenant, pas oublier. Nous arrivons là. Négatif sine de 165. Ça veut dire négatif sine de 165. Pour vos négatifs sine de 100 à 80 retirer 165 qui pour vos moins négatifs sine de 15 degrés. Et bien là voilà, à la fin du diamant, you have to give your answer correct to 2DP. Alors négatif sine de 15 degrés, alors cela me donne négatif 0.2588. Négatif 0.2588. Et bien diamant qui me besoin de tout mon bonne réponse correct to 2DP. 2DP veut dire deux chiffres après décimal. Alors je veux dire m'arrête jusqu'à 5. Mais le fait que ce voisin c'est 8 veut dire que 5 ou 26. Alors here it is correct to 2DP. Maintenant on va vérifier si vraiment nous bien fait le tout. Si mon sign de négatif 165 il est vraiment comme ça la calculatrice, ça veut dire que tout est bon. Parce que moi mon type négatif sign de 15. Négatif sign de 15, mais donne-moi ça. Le type négatif sign de 165. Est-ce que lui donne-moi la même réponse? Oui. C'est négatif sine de 15, fait de moi. Pareil que moi, négatif sine de 165, ça veut dire en d'autres mots que je fais le tout bien, parce que si je fais un seul faute dedans, alors ce bande balle là, pas de bouton pareil. Faudrait que bien faire le tout, faudrait qu'il vraiment moins sine de 165, qui vraiment n'y peut pas ça, les là qui vraiment toutes les réponses n'y peut pas pareil. Ça veut dire que je connais qui avant l'examinateur, il vraiment met un rat dans ce papier d'examen, je finis connais que le tout est bon. Let us have a look at the part B over here. Ah, regarde comme partie B. Les médias nous cote de négatif 1000 degrés. Allez, cote de négatif 1000 degrés. Allez, premièrement, on peut trouver que. It's. Alors, est trigonométrique of a negative angle. Allez, dis-moi, autre même. Qu'est-ce que tu apprends? Cote sur camarade, c'est tan. Ça veut dire ça qui arrive tan, arrive pareil pour cote. Nous avons un coup de tan qui dit. Tan dit nous comme ça que tan of a negative angle, tan of negative alpha becomes negative tan of alpha. C'est ça qu'ils ont dit dans la liste formule. Mais si tan of negative alpha, il pouvait négatif tan of alpha. Mais cela veut dire que ce camarade cot, ça veut dire que cot of negative alpha will equal to negative cot of, will equal to negative cot of alpha. Ça veut dire qu'on se dit la cote, je pense pas tan, parce que ça qui arrive tan, pour arrive pareil pour cote. Alors cela veut dire que cote de négatif 1000 degrés, les pouvaux négatifs cote de positif, les pouvaux négatifs cote de positif 1000 degrés. Je peux bien saisir, et voilà, ça c'est un angle qui peut dépasser 360 degrés. Alors, si nous faisons rappeler, quand un angle il dépasse 360 degrés, qu'il nous besoin faire, quand un angle il dépasse 360 degrés, nous besoin guetter, alors combien laps de 360 degrés nous gagnons? Alors, 1000 degrés. So, as a note over here, alors 1000 degrés, alors has combien?
1000 degrés, il y en a deux laps de 360 degrés. Vous êtes tout d'accord avec moi? 1000 degrés, il y en a deux laps de 360 degrés. Et ça, deux laps de 360 degrés là, il fait nous 720 degrés. Pourquoi nous prenons trois laps? Parce que trois laps de 360 degrés, trois laps de 360 degrés, alors il fait nous 1080. 3 fois 360, c'est 1080. Donc 1000, nous pouvons gagner 1080 parce que nous avons 80 degrés encore. C'est pour cela que nous avons gagné 3 laps, nous avons gagné que 2 laps. Ça veut dire 1000 degrés, il y en a 2 laps de 360 degrés qui fait nous 720 degrés. Ça veut dire en d'autres mots, cela veut dire en d'autres mots que 1000 degrés, ça veut dire en d'autres mots que 1000 degrés, combien il peut vous? Ça veut dire que 1000 degrés, en d'autres mots, l'Ivo. Alors, cela veut dire que, nous n'arrivons ici, nous, négatif code de 1000. Cela veut dire que négatif code de 1000 degrés, alors, l'Ivo, négatif code de 1000 degrés retiré, 720 degrés. I hope it is clear for all of you, là, hein? Pareil pour moi. Alors, pareil pour moi, quand on peut faire, et quand on peut faire pour un angle qui est plus que 360 degrés, c'est comme ça même qu'il me le montre, les autres félix. Nous faisons retirer la quantité de laps à l'os de 360 degrés qui nous gagnait. Dedans, nous gagnons deux laps de 360 degrés qui viennent nous 720 degrés. Alors, ce que nous prendre 1000 degrés, nous retirons 720 degrés. Alors, ça veut dire en d'autres mots, cela vous donne combien? 80 plus 200. Alors, c'est 280 degrés. Ok, it's good for this one. Là, à moins une récit tombe dans mon 4 quadrants. Ça veut dire en d'autres mots que 1000 degrés, il vaut 280 degrés. Ok, it's good là. Dans le sens de trigonométrie là. Sinon, 1000 c'est 1000, 280 c'est 280. Mais moi, j'espérais qu'il vraiment se t'en pour rappeler. Alors, le fait que 1000, il y en a deux laps de 360, nous retirons ces deux laps de 360, ça veut dire nous gagnons 280 degrés. Maintenant, ça 280 degrés là, dans qui quadrant il trouvait ça? Alors, définitivement, il tombe dans le quatrième quadrant. Et dans le quatrième quadrant, qui souhaite-t-il apprendre? Once again, quand nous payons pour code, le fait qu'il nous payons pour code, ça veut dire que nous ne pouvons pas faire tout bon calcul basé sur code. Nous devons réfléchir tout le temps à temps. Parce que what happens to time, happens also to code. Parce que code, c'est one upon time. Nous avons un code dans le quatrième quadrant. Dans le quatrième quadrant, qui vraiment est-ce qu'il nous apprend? Allez, dans le fourth quadrant. Qui se dit d'apprendre dans le fourth quadrant? That tan of alpha is equal to tan de. Et qui se dit d'apprendre what is associated acute angle? Associated acute angle dans le quatrième quadrant, c'est 360 degrés retiré alpha. Mais tan dans qui quadrant il tombe positif? Pas oublier all sine tan cos. Tan est positif que dans le troisième quadrant. Ça veut dire dans le quatrième quadrant, tan pour tomber négatif. Pas oublier ça pour être là, vous autres. Get bien là. The slightest mistake you do over here, you're never going to get the correct answer. So precision is key for this one. Ça veut dire que tan of alpha, niveau négatif tan de 360 degrés, retiré alpha. So far it's good for all of you, pas de difficulté. Ça veut dire en d'autres mots, nous arrivons au négatif code de 280 degrés. Ça veut dire que négatif code de 280 degrés, comment je dis apprendre, what happens to tan happens also to code. Mais ça veut dire que dans le quatrième quadrant, code de alpha, alors si vous voulez négatif code de 360 degrés, et vous voulez négatif code de 360 degrés, retirez alpha. Vous avez bien saisi là, ça veut dire en d'autres mots que code, oubliez négatif là, ça veut dire que code de 280 degrés, les pouvons négatif code de 360 degrés retiré 280 degrés. Alors cela veut dire que les pouvons négatif code, alors voilà 2, les pouvons négatif code de 80 degrés. Ça, c'est pour nous code de 280 degrés. Mais pas oublier, nous, négatif code de 280 degrés, voilà. Mais ça veut dire que négatif de ça, les pouvons négatif de ça, et ça veut dire que négatif de cette partie-là, pouvons négatif de cette partie-là, ça veut dire à la fin que négatif code de 280 degrés, alors les pouvons positif code de 80 degrés.
Et maintenant, comment ce petit code de 80 degrés, comment je connais la calculatrice, nous avons juste sine, cosine, tan. Le fait qu'il y a juste sine, cosine, tan, alors pour nous, quand type code de 80 degrés, la calculatrice, alors nous avons type 1 sur tan de 80 degrés, alors 1 divisé par tan de 80 degrés, alors cela vous donne 0,1763. Cela vous donne 0,1763. Alors cela vous donne 0,18. Correct to. Correct to 2dp over here. Ok, it's fine for this part. Et voilà, comme dernièrement parti, c'est. Let us first of all verify. Nous allons vérifier un coup. Nous utilisons un type code de moins 1000 degrés. Allez, code de moins 1000, comment nous type ça la calculatrice? Code, comment je connais, nous pas qu'à typer la calculatrice, nous obligés de typer en termes de tan. Alors, code de moins 1000 degrés, c'est 1 divisé par tan de moins 1000. Code, c'est 1 sur tan. Alors, code de moins 1000 degrés, c'est 1 divisé par tan de négatif 1000. Cela me donne 0,1763. Et voilà, ici, si c'est 0,1763, ça veut dire que le tout est bon, mais. Maintenant, pour ceux qui me disent, mais monsieur, qui fait participer les types directement dans la calculatrice, c'est parce que l'examinateur peut envoyer des réponses là en termes de it's acute angle. If you don't do all of this, mais jamais je ne peux pas abonner qu'il est venu en termes de code de 80 degrés. So this is code de moins 1000. Code de moins 1000 en termes de ce acute angle, il vaut code de 80 degrés, vous autres. Si je ne participe pas, soit là, je ne pas pour gagner. Si toutefois, examinateur dit, write down code de moins 1000 correct to 2dp. Je ne type comme code de moins 1000 la calculatrice pour type code de moins 1000 la calculatrice. Je ne faire 1 divisé par 10 de moins 1000, je peux finir la réponse. Mais si toutefois, examinateur envie de manipuler, je envie vraiment vérifier à qui point je connais la trigonométrie. Les diazotes exprimés en termes de ce acute angle, ben définitivement, je peux coincer là, vous autres. Alors, so I hope it is fine for all of you on this part. And then I'm leaving the part C for you to do as a homework over here. So the next part, we are going to move for the next subtitle.